Allez, c'est parti, bonjour à toutes et à tous, c'est Holobat. On est parti pour l'épisode 14, cette fois-ci, de Darksiders 2. On va aller visiter le monde des morts, que vous pouvez voir... ici. Donc la map nous annonce un peu la couleur. La dernière fois, on avait vaincu Beitir et Sylvesang, deux monstres annexes qui nous avaient fait looter, donc pour Beitir, des faux de feu, mais niveau 15. Donc on pourra pas les utiliser tout de suite. Elles sont là, serre de Beitir. Donc on les serra au niveau 15, voir si c'est... sauf si c'est intéressant ou pas, si on les rendra. Et Sylvesang nous avait laissé une masse géante, un espèce de tronc qui est de mémoire une des armes que j'ai le plus utilisées, une des armes secondaires que j'ai le plus utilisées, parce que comme vous pouvez le voir, dégâts 254 par 292, c'est quand même pas mal. Là je l'ai retiré, mais en fait, voilà. Donc ça ressemble à ça, c'est pas très beau, mais au moins ça fait mal. Du coup voilà, aujourd'hui on va aller visiter enfin le monde des morts. Et advienne que pourra. On a aussi rencontré Ostegoth qui est juste là-bas derrière, qui est une espèce de marchand itinérant qui nous en a appris plus sur l'histoire. Mais pour ça je vous laisse, pour en savoir plus je vous laisse checker l'épisode précédent. Parce que je vais pas non plus tout raconter, ce serait un peu long. Du coup on est arrivé ici à l'arbre de vie qui finalement est l'arbre des morts. Il est malade. Comment dire, en fait ça sera un espèce de hub central pour atteindre différents portails. Comme vous pouvez en voir, il y en a un là. Celui-ci ramène chez les fondateurs. Et il y en aura d'autres à ouvrir, j'imagine, tout au long de l'histoire. Du coup on va continuer par ici. Ah oui, alors Ostegoth le marchand a lui aussi des trous dans les poches, un peu comme Karn. Il nous a demandé de récupérer des objets, des reliques hein, du passé. On le fera si on tombe dessus, mais honnêtement, je vais pas me concentrer dessus. Hein, c'est pas le genre de quête qui m'intéresse le plus. Alors j'espère que la qualité vidéo est mieux que d'habitude. J'ai remarqué que les vidéos étaient assez sombres globalement pour les premières, surtout. Du coup là, je capture avec mon Elgato fraîchement acquis. J'espère que ça va faire le travail. Et donc on verra ça. Wow, déjà la superbe vue là-bas avec les ossements de partout et tout, c'est vraiment chouette quoi. Ça fait plaisir de retrouver un nouvel environnement quand même. Ah oui, et puis le but je crois que c'était de trouver le baron des eaux. Quête, c'est dans carte et triangle. Le baron des eaux, voilà, c'est la quête principale. Il nous en reste encore... il reste encore Arkina et Argul en boss... secondaire qui se trouve dans le royaume des morts justement, mais bon, on les trouvera si c'est pas cet épisode-ci, dans les épisodes prochains. On n'est pas non plus pressé là-dessus. Je vous laisse profiter un peu du jeu. C'est cool, on découvre de nouveaux monstres, des squelettes. Voilà, alors par contre je précise, j'entends le son avec un gros décalage d'au moins 2 secondes, voire 3 secondes, donc j'espère que ça va pas trop me gêner pour le gameplay. Je réglerai ce problème plus tard. Ah, ben, je pensais que c'était une simple page. Là, c'est relique d'Etugoth, une relique commune de la maison... Ah bah, c'est les fameuses reliques que me demandait Ostegoth. Donc ça tombe bien. L'op, famille noble versée dans la magie. Vendez-le à Ostegoth, voilà, pour recevoir une récompense. Allez, enfonçons-nous un peu plus dans le royaume. C'est vraiment très classe.
Ah. Allez, une nouvelle musique, ça m'ambiance. On va tâter du squelette. Superbe, encore une fois le décor, ça en jette un max. Bon, je sais pas du tout où est-ce qu'on rentre là, c'est quoi? L'antre du roi détrôné. Bon, ça doit être un donjon annexe. Tout ce qui est annexe, je les ferai sur des épisodes spéciaux, un peu comme le précédent, avec un montage un peu plus, entre guillemets, poussé. Même si c'est pas non plus ouf, quoi. Une petite tornade, j'ai jamais vu, je me souviens même plus de ça. Ah, globalement, je me souviens plus vraiment du jeu du tout court, donc c'est pas plus mal, moi. Je le redécouvre avec vous. Par contre, là, c'est vraiment la quête principale, alors on y va. Waouh, superbe! Avec les yeux des crânes qui s'allument plus bien. Alors, juste pour le plaisir, on se la refait. C'est vraiment classe. Ça me donne des idées pour je sais pas. J'essaie de visualiser un peu l'endroit, un peu pour pas trop me paumer. Waouh. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance, quoi. C'est complètement fou. Alors, question, est-ce qu'on va tout droit ou est-ce qu'on monte? Essayons par là d'abord. On a rencontré Corruption dans l'épisode d'avant, qui est du coup le frère de Death, apparemment. Je me souvenais plus du tout de ça. Là, une espèce de bol, je sais pas à quoi elle sert. Ouais, donc c'était aussi un Néphilim, hein. Corruption, ce sera le boss final, il me semble, du jeu. Qui est pas forcément le meilleur, loin de là. Ah oui, d'accord. Oui, donc là ça va être les premières énigmes de notre forme quand on va gagner le pouvoir de se transformer en statue, de se dédoubler. Ah ouais. Ouais, bah du coup ça devrait être pas longtemps après là où on est. J'imagine. Allez, go. Ah oui, d'accord, en fait il faut activer les trois. Du coup, est-ce que vraiment on a quelque chose à faire ici? Alors, est-ce que ça c'est gérable? On va le savoir tout de suite. Nickel! De toute façon, la carte ne nous mange jamais, normalement. Si on avait un curseur dessus, c'est que c'était le bon endroit. Arène de boss ou. Ouais. Arène quand même. Je sais pas, c'est un petit peu perturbant d'entendre le son en décalage, mais il faut vraiment que je règle ça. Je cherche... voilà. Au passage, c'est vrai qu'on pourrait se demander à propos de l'épisode précédent ce que faisaient les forgerons pendant l'attaque du Goliath quand il était
quand il était corrompu. Parce qu'ils étaient là à la forge, ils attendaient. Et c'est pareil pour Karn d'ailleurs, on se demandait ce qu'il faisait. Soi-disant, monsieur était occupé. Trop occupé pour sauver son royaume apparemment. Qu'est-ce que je dois faire avec cette bombe? D'accord. Plus je peux en prendre plusieurs, je vais en prendre une autre. Pareil, bah, il tire la bête qui a rien demandé, quoi, qui s'est planquée dans sa grotte, qui s'est créé un petit. Une petite baraque, enfin, comment dire, une baraque, c'est un bien grand mot, un repère, quoi, pour y vivre. Et on nous dit, ben, va le tuer. Ouais, d'accord. Parce qu'il est corrompu. Bon, d'accord, ok. Ok, ça avait l'air d'être un espèce de démon, mais. Alors attends, alors ça c'est assez chiant. Voilà. En fait je... Ah oui d'accord, donc c'est sûrement pour activer ça. Bon. Ah, j'ai activé le pont. J'espère que ça reste. Voilà, c'est bon. Ça va être la clé. Ouais, puis pareil, s'il veut sang, ancien allié des fondateurs. Oh, il a été corrompu, oh, on va le tuer. Bon, d'accord. D'accord, très bien. L'attachement, c'est pour les tapettes. Oh non, après les moustiques, les cafards. Allez, scarabée, plus ou moins. Est-ce qu'un scarabée, ça vole? Bonne question. Il me semble que oui, il doit y avoir des ailes sur la carapace. On se fait rapidement histoire d'avoir un peu de niveau quand même. Faut pas qu'on se retrouve en retard contre les prochains boss. Ok. Ça passe. Du coup, quand on a la clé, on peut effectivement revenir à la porte scellée. Donc, je rappelle, on est ici pour trouver le baron des eaux. Ouais, c'est pareil, Tan, il nous a pas aidé non plus du tout pour le golem, quoi. Enfin le Goliath, c'était dommage. C'est des petites questions qu'on peut se poser comme ça. Sur la logique du scénario, on va dire. Alors... Ça se casse. Je manque de courage. Passe de courage. C'est là qu'on apprécie quand même le marteau de style de sang. C'est quoi ça? Comme ça qui s'éclaire, ok. Tranquille. Ah bah super. Je me disais aussi il y avait des pics là-haut, il fallait quand même trouver la bombe. Voilà, du coup j'ai plus qu'à grimper. Par ici.
fuit. D'accord. Ah là là. Ah, j'avais pas retenu grand chose du jeu. Pourtant, hein. Il est super beau. Ça fait quelques années, mais quand même, quoi. Il y a... Je trouve qu'il y avait matière à quand même plus. Après, la Definitive Edition doit quand même. C'est peut-être parce que c'est justement la version PS4 et que c'est plus beau que ça me marque un peu plus, mais. Sur PS3 c'était pas le même délire. Par contre. Il y a un truc à faire clairement. On va voir en bas. Ah oui, ben on peut encore aller sur l'autre mur, c'est vrai. Ah merde! Vous pouvez pas s'accrocher là. Il fallait tout de suite sauter et utiliser l'étreinte mortelle. Il y avait un espèce de squelette qui attendait là. Gila. Voilà. C'est tout, il y avait juste. Attends, tout ça pour ça? Là c'est vraiment bien, par contre ici on n'est pas allé je crois. Voilà. C'était juste un. Attends, c'était... Ouais, apparemment le radar m'indique vraiment que c'était juste un passage. Entre du roi détrôné... Il faut aller où en fait? Là-bas. D'accord, oui. Donc là on est ici, et il va falloir faire ça pour arriver au pic du serpent et trouver le trône éternel. Alors c'est parti. Peut-être un truc là, non, pas du tout. Ensuite c'est par ici. Le décor est vraiment chouette. Petite carte. Ah, pièce de passeur, voilà. Je confondais ça avec les pages du livre des morts. En fait c'est des cartes de passeur. C'est pour échanger à... Ah, Vulgrim, d'ailleurs, on pourra bientôt retourner le voir. Il y en a des ennemis par ici. Attends, peut-être qu'il me suit. Ouais. On est là, stop. Le broyeur de Carquinos, de Sylve Sang là, Sylve Sang est vraiment très utile. Voilà. Surtout contre des Ptados comme ça. Ah bah là-bas il y a la balance, c'est sûrement Vulgrim, voilà, nickel. On reconnaît ces petites décorations là. Coucou. Nouvel inventaire. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, coffre décoré, 10 000, ouais. Par contre, on va juste aller voir pour revendre un peu tous ces... À part les serres de Beytir, évidemment. Voilà. Ça, on garde, ça, on garde. Ça, c'est pas la peine. Ça non plus. Ça, c'est vraiment un marteau de brun. Serre obscure. Masse lugubre. Ok. Ça c'est pas la peine non plus de garder. On enlève tout ça.
non, ça on garde. Ok. Oups. Alors j'ai 22 cartes de passeurs et 125 789. J'hésite. La dernière fois on avait été déçu. Non, clairement je vais garder mes sous pour aller voir les forgerons parce que c'est un peu trop aléatoire ce qu'on gagne avec lui. La dernière fois qu'on avait eu une superbe fond, on... malheureusement elle est tellement attribuée au... comme c'est attribué au niveau, forcément tu trouves mieux après dans les loot de base du jeu, donc c'est même pas intéressant d'acheter ça. Je préfère garder mes sous pour acheter des... éventuellement des stuff. Ça faire non plus de taper des os. On y vient. Pic du serpent, ça y est. Espèce d'hydre là, volante. Wow. Ah, cette classe. Des fois qu'il y aurait des QTE. Accéder à la salle du trône, putain, c'est vraiment tellement classe. Oh putain, c'est impressionnant. Oulala, petit clipping. Allez, on va chercher la salle du trône. Ah oui, d'accord. C'est vraiment par là, genre il y a une salle de trône perchée là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas expliqué pourquoi il garde pas sa forme de cavalier. Hein. Je pense pas qu'on le sache au bout d'un moment. Bon, j'imagine que tout comme tout mode rage dans les jeux, ça, c'est un peu dangereux de garder cette forme pour lui. Oui, ce serait bien d'arrêter de se jeter dans le vide. Qu'est-ce que je fous? C'était par où déjà? Là-bas. Ah mais cette fois-ci c'est le bon là. D'accord. On va... Hop.
Voilà, super. La suite, c'est où? Par ici. Non. Bon. C'est vrai que se transformer et utiliser tes ailes pour voler, ça serait trop demandé. Je peux m'accrocher là sur le mât, on est d'accord. C'est de là où je viens. Ah, peut-être ici. Ouais, c'était ça à mon avis. C'est fou que j'ai aussi peu de souvenirs du jeu quand même. Oh merde. Ouais, du coup je recommence. Non. Non, je suis bien là. Voilà. Putain, vous n'avez pas le mal de l'air. Au mal de mer, comment ça bouge? 126 310 pièces. On commence à avoir un bon PQ. Il y a une petite araignée là, comme ça. Non. En haut. À droite. À droite là. Oh la caméra. C'est vrai que c'est tous des petits défauts qui ont peut-être l'air de rien pour vous qui regardez, mais je vous assure que manette en main, ceux qui ont fait le jeu me comprennent. C'est pas ouf quoi. J'espère que pour le 3 on sera pas autant emmerdé parce que c'est... Oh non. Mais non, putain. Du coup, l'angle de caméra fait que manette en main, bah, tu sais plus où aller pour te diriger d'un point A à un point B. Et c'est en bas. S'il se balade tous les jours comme ça dans son vaisseau, ça va bien de galère. Alors, porte fermée, trou, c'est quoi ça? C'était Dest, je crois que c'était un objet. On va aller voir quand même. Par acquis de conscience, mais y a rien. D'accord. Ah. Trône éternel. C'est marrant comme ces espèces de draps en lambeaux me font penser à ce que j'ai sur le dos. Bonjour messieurs. C'est vraiment classe en ces espèces de spectres. C'est le chancelier qui vous envoie. J'ai déjà vaincu la mort une fois, cavalier. Et je peux le refaire. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parler. Bien sûr que non. Vous empestez l'espoir. Vous n'avez pas encore vu le chancelier. On ne se connaît pas. Qui es-tu? Je suis le maître des lames. Tout ce qui reste d'un guerrier qu'on nommait Draven dans le royaume des hommes.
J'aurais dû plonger dans le puits des âmes depuis longtemps. Mais j'ai gagné ma liberté dans l'arène. Tout ça pour tomber sous le joug du roi. Qui aurait peur d'un simple chancelier ? Il crache son maudit venin dans l'oreille du roi depuis des siècles. C'est lui qui règne sur le trône éternel. Et il est... exigeant. Du coup, lui peut nous entraîner aussi. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Ah oui, d'accord. Du coup, c'est bien, ça nous évite d'aller voir... D'aller voir Tan dans le monde des fondateurs. On va s'acheter quelques trucs. C'est vrai que j'avais zappé qu'il y avait tout ça acheté. Waouh. C'est quoi ça ? Inhumation brutale. Une frappe lourde portée en bas... De haut en bas, pardon, est capable d'enfoncer la plupart des ennemis dans le sol. Chargé pour plus de dégâts. Allez, on va prendre ça. Ça me paraît sympa. J'avoue. Et ça, que je c'est suis quoi surpris. Pendant une évasion vers l'avant. Une attaque pour aller rapidement en contact et projeter au sol les ennemis les plus faibles. Ouais, bon, de toute façon, c'est des trucs assez simples à faire, donc... Taillade retournée, véritable tempête de lame aérienne. Death tourbillon pour infliger des dégâts massifs. D'accord. C'est en l'air, il faut faire ça, d'accord. On va prendre un maximum. Voilà. Du coup, faut aller voir le chancelier, c'est ça le délire ? Qu'est-ce qui... Là, il y a juste des caisses. Désolé, hein, je casse un peu votre marchandise, mais... Je suis un cavalier de l'apocalypse, j'ai le droit. J'ai tous les droits. Ah oui, c'est les fameux... Je crois que c'est les hôtels pour l'échange d'objets aussi, ça. Ah, bon, on avait gagné un cadeau du jeu la dernière fois, c'est vrai. Alors, invitation permettra de combattre dans le Tribularium. Ah oui, je me souviens de cette histoire de Tribularium. Je crois que c'est pour combattre. Alors, attendez. Pour peut-être atteindre la gloire éternelle. Si vous acceptez votre défi, venez me voir. Ouais, c'est pour faire des vagues d'ennemis, en fait. Et on gagne normalement des objets, des armures assez rares. Cadeau anonyme. Vous pouvez aller au Tribularium avec un déplacement instantané utilisable via la carte. D'accord. Cool. Nouvelle aventure est toujours synonyme d'inconnu au départ. Idiot, le voyageur acquiert sa voie, un chemin, un tribularium débloqué, carte monde. Ok, d'accord. Bon, c'est clairement encore une chose, enfin, une activité annexe. Qu'on fera peut-être ou pas, mais priorité à l'histoire, vraiment. Oui, pendant le dialogue avec le revenant, là, je pensais qu'il y avait un bug, mais encore une fois, non, c'est que la capture, un décalage avec le son. Donc tout va bien. On va pas tout casser non plus, code main ni encore. Alors, accès à la salle du trône, parlez au baron des eaux. Bonjour. Nul n'approche le baron des eaux sans l'accord de son chancelier. D'accord. Un cavalier dans le royaume des morts ? Non, non, ça ne va pas du tout. Mais qui fait la morale ? Je dois parler au baron des eaux. Non, c'est tout à fait impossible. Mon maître veille sur ce royaume. Une tâche qui vous dépasse, cavalier. Parce que vous avez l'impression d'être utile. Il n'y a qu'un seul moyen de le tirer de son sommeil. La reine dorée. Elle offre une ultime chance aux mortels de s'affranchir de la mort. Une faveur qui inclut une audience avec le roi. Affrontez le champion de la reine et rapportez-moi son crâne. Sa majesté pourra alors vous recevoir. Et où est cette arène ? N'ayez crainte, cavalier. Nous sommes déjà arrivés.
Que voulez-vous ? D'accord. Ah oui, donc effectivement, on peut parler des deux boss optionnels, Archidna et Argul. Ce que je veux, c'est parler au roi d'abord. Laissez-moi parler au roi, et j'épargnerai votre champion. Même vous, je vous épargnerai, chancelier. Vous ne pouvez tuer ceux qui étaient déjà morts. Mais libre à vous d'essayer. Dans l'arène. Tant pis pour vous, j'aurai votre tête, sale serpent. On va parler tant qu'à faire des boss. Qu'est-ce que Akidna vient faire dans votre royaume ? Elle en a déjà un, que je sache. Oui, le royaume des ombres, Isilik, où les sœurs aveugles tissent leur toile. Beaucoup des ennemis de mon roi ont fui là-bas, à l'aube de son règne. Nous les avons traqués. Akidna nous a échappé de justesse. Elle s'est peut-être installée ici pour se venger. Mmh. Votre roi n'est pas le premier à régner ici, n'est-ce pas ? Non, il succède à Argul, créature possédée et incapable de porter la couronne. J'ai aidé mon seigneur à le chasser et à détruire plusieurs de ses serviteurs. Je me demande ce qu'il ferait sans moi. Parlez-moi un peu du roi des morts. Son règne est éternel, sa parole fait loi, et son temps est précieux. Je veille à ce qu'il ne le consacre qu'à ceux qui en sont dignes. Vous ne devez pas le voir souvent, alors. Toujours ces petits pics. Soyez prudent dans l'arène, cavalier. Si petit vous arrivait quelque chose, j'aurais du mal à me le pardonner. Oui, c'est ça, on y croit tous. Eh bien écoutez, je pense qu'on fera... Quoi arrêter ? Je pense qu'on fera ce combat pour l'épisode prochain. Parce que là, on a quand même bien avancé. Je vais juste regarder vite fait les compétences, parce qu'apparemment on en a... Ouais, on a 4 compétences, 4 points de compétences. Alors on va finaliser la santé des ghouls. Voilà, nickel. Il nous reste 2 points. Moisson, indomptable. Ah, omnifrappe. Ah, une chance d'embraser tous les ennemis touchés, point de dégâts infligés, tous les. Dure 5 secondes. Du coup, ça c'est passif, j'ai pas besoin de me l'équiper, on est d'accord. On va vérifier tout de suite. Si c'est ça, je le fais à fond. Ouais, donc ça fait pas une autre compétence, c'est bien passif, tant mieux. Parce que là j'ai déjà mes raccourcis qui sont blindés. Voilà. Et après on essaiera les corbeaux, j'aimais bien les corbeaux l'autre fois. Enfin, si c'est bien ce que je crois, c'était quelque chose d'intéressant. Synergie, les ghouls de Death régénèrent du Kourou en influence des gosses, c'est pas mal non plus ça. Mais on verra ça la fois prochaine. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Bon courage si vous bossez. Bonne nuit si vous dormez. Et à la prochaine.